Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Je suis Mariam Touré et nous avons le plaisir de conduire cette émission jusqu'à 8 heures. Pour l'heure, nous sommes avec le docteur Véronique Loboué. Elle est cardiologue, membre du SINAMEPSI et nous parlons de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et au moment de la publicité, elle nous expliquait qu'il fallait absolument aller vers le médecin pour un diagnostic fiable. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dit qu'à partir de 14-9, ou 14-6 14-9. 14-9, à partir, enfin c'était encore normal. Au-delà, oui. Au-delà, voilà. Il faut s'inquiéter. S'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, quand le médecin a fait le diagnostic, le médecin va organiser le traitement. Et dans ce traitement, il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, qui n'est pas pharmacologique, c'est-à-dire c'est une situation où on ne boit pas de médicaments. Et puis, il y a maintenant la partie pharmacologique, c'est-à-dire où le médecin prescrit des médicaments. D'accord? Mais il faut les deux pour faire le traitement de l'hypertension artérielle. Mmh. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, il s'agit de quoi? Si vous mangez, vous consommez trop de sel, le médecin va vous demander de réduire votre quantité de votre consommation de sel. Il va vous demander, si vous fumez, d'arrêter de fumer, de réduire votre consommation d'alcool, de vous mettre un peu au sport, gérer vos stress, d'éviter de manger de trop gras et trop sucré. Mmh. Voilà. Vous mettre au sport. Alors, par exemple, la cigarette, ça dilate les vaisseaux sanguins? Alors, la cigarette est reconnue pour effectivement monter la tension artérielle. Mmh. Pas que ça dilate, mais la cigarette nuit aux petits vaisseaux. D'accord. Donc, ça les rétrécit. Okay. Et cette restriction-là va permettre à la tension de monter. D'accord. Le fait de fumer du tabac, de la cigarette, ça augmente la pression artérielle. Et quand on dit de réduire le sel, le facteur le plus inquiétant dans l'hypertension, c'est le sel. Oui, c'est le facteur le plus partagé. Vraiment, je reviens là-dessus encore. Le sel de cuisine que nous utilisons, ce n'est pas que le sel est mauvais. L'organisme en a besoin, mais nous disons de réduire. D'accord. Une personne, normalement, a besoin de 4 à 6 grammes de sel par jour. D'accord. Mais une grande étude en Afrique a montré que les Africains consomment le sel de 12 à 20 grammes. Oula. Oui, on en consomme trop. Mm-hmm. C'est depuis la cuisson. Au début de la cuisson, on en ajoute. Au milieu de la cuisson, on en ajoute. Et puis à la fin de la cuisson, on en ajoute. Encore. Voilà, on saupoudre encore. D'accord. C'est et trop. Il faut savoir également que dans les cubes culinaires, oui, il y a encore déjà du sel. Mm-hmm. C'est pour ça, il faut peut-être à la fin du repas, à la fin de la cuisson, mettre le sel. Mm-hmm. Comme ça, le sel reste juste dans la sauce, mm-hmm. ça n'éteint pas dans la viande ou le poisson. Mm-hmm. Et puis comme ça, on a une quantité moindre. D'accord, voilà. Très bien. Alors, en dehors du sel, le tabac, il faut l'arrêter complètement. Si vous fumez, il faut l'arrêter complètement. Mm-hmm. Mais l'alcool, nous disons de réduire. Mm-hmm. Il réduit parce que dans certaines régions, on va dire, l'alcool fait un peu de bien. Surtout le vin. Mm-hmm. Le vin est reconnu pour améliorer la circulation du sang, mm-hmm. d'accord, et protéger des vaisseaux. Très d'accord. Bien. Mais je ne suis pas en train alcools, de dire. C'est l'un des rares alcools. Oui, qui soit admis. Je ne sais pas si vous le dites, Bordeaux. Mais mm-hmm. je ne suis pas en train de dire d'aller prendre de l'alcool, non. Mm-hmm. Il faut vraiment réduire la consommation d'alcool. Mm-hmm. D'accord. Et c'est permettre un verre de vin. Juste un verre de vin. Oui. Hein. Chez l'homme, on peut aller jusqu'à 2 verres mm-hmm. dans la journée au repas, à table. Mm-hmm. Un verre, c'est la coupe. La coupe, hein. Juste, on va dire. Alors, ce n'est pas le verre à eau qu'on remplit. Ce n'est pas le verre à eau. Non, c'est la coupe. C'est vraiment c'est la le coupe. Ballon. Le ballon, voilà, le ballon. Ce n'est pas le verre. Voilà. Voilà, le ballon à midi et mmh. puis le soir, au maximum. Mmh. Et chez la femme, c'est autorisé juste un verre dans la journée. Pourquoi voilà. Par rapport à la constitution? Ben, je ne sais pas, des études ont montré que l'homme peut aller jusqu'à 2, c'est bon. Mmh. Et puis la femme, jusqu'à un verre, c'est suffisant. D'accord. D'accord. Très bien. Et donc, pour le vin, nous disons juste, il faut réduire. Mmh. D'accord. Mais pour gérer le stress, d'accord, pour lutter contre le stress, il faut se mettre au sport. Mmh. D'accord. Il faut régler les problèmes au jour le jour. Mmh. Les problèmes financiers, les problèmes de couple. Mmh. Il faut en parler. Il faut, voilà. Il faut apprendre à gérer les problèmes. Donc, on retient que les facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle sont liés au sel. Au sel, à l'excès de sucre, à l'excès du gras, à l'obésité à l'obésité. Au tabac et tout ça. Donc, mmh. ce sont Et puis au stress. Dire,
Oui, et puis le stress. D'accord. Donc, ce sont les mesures non pharmacologiques. Et puis, dans la consommation, il faut réduire les féculents pour favoriser fruits et légumes dans D'accord. notre Ça alimentation. revient toujours. Hein. Oui, ça Toutes revient les émissions que toujours. l'on fait, Oui, ça fruits revient et légumes, toujours. c'est important. Ce n'est pas compliqué d'introduire fruits et légumes. Avant le repas, juste quelques tranches de carottes, quelques tranches de concombres, de tomates, ça passe. Et puis à la fin, prévoir juste une banane douce, une orange, une papaye, ça peut passer, c'est possible. D'accord. Nous disons seulement d'ajouter quelque chose au début, d'ajouter quelque chose à À la la fin. fin. Donc d'éviter de se rassasier énormément avec le foutou, le riz, parce que quand on est très rassasié, on rejette le fruit. C'est ce qu'il ne faut pas. Quand Ah on est d'accord, très très bien. rassasié en En fait, général, c'est pas pour remplacer, c'est pour non. compléter C'est pour compléter. l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut sortir de table avec un reste appétit. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas trop se rassasier à table, de sorte à avoir de la place pour le fruit, accueillir le fruit. D'accord, Sinon, très on a bien. tendance à dire non, 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 je suis rassasié, je ne veux pas d'orange, je ne veux pas de banane, je suis déjà rassasié. Ce n'est pas bon. Il faut laisser un peu de place. D'accord, Voilà. très bien. D'accord? Alors, on est parti sur le médecin qui a confirmé le diagnostic ou bien qui a découvert que y avait problème. Mais quels sont les symptômes qui poussent à se poser des questions ou bien à confirmer le diagnostic du médecin? Alors, d'abord, la personne va aller voir le médecin parce que soit elle a des maux de tête, des vertiges, des palpitations, des essoufflements, d'accord? Mais quelquefois, il n'y a pas de signe du tout. C'est à l'occasion d'un bilan annuel d'entreprise ou bien la personne décide d'aller faire son dépistage et puis découvre qu'elle est hypertendue, d'accord? D'accord. Donc, une fois le diagnostic fait, par l'appareil à tension, c'est très important. Et même pour établir le diagnostic, le médecin va recevoir la personne plusieurs fois. D'accord? D'abord, on ne parle pas de la première prise pour se mettre à traiter quelqu'un. Le médecin mesure la tension, découvre que la tension est haute. Le médecin va conseiller, premièrement, les mesures génodiététiques. La personne revient une semaine ou un mois après. D'accord? Le médecin remesure la tension et au bout de la consultation, de la même consultation, le médecin va mesurer la tension deux fois, au début de la consultation et vers la fin de la consultation, pour être sûr de la permanence des chiffres. D'accord? Parce qu'il peut y avoir une variation. Il y a des personnes qui sont un peu stressées au moment où on doit prendre leur tension, la tension monte. Une fois qu'ils sont un peu apaisés, qu'ils se sentent un peu mieux, la tension peut redescendre. C'est pour ça qu'il faut plusieurs mesures pour dire qu'une personne est vraiment hypertendue. D'accord? On ne D'accord. parle pas d'une seule mesure. Alors, une fois que le diagnostic est établi et qu'on a commencé les mesures génodiététiques, et que malgré les mesures génodiététiques bien conduites, la pression ne baisse pas, dans ce cas-là, le médecin va ajouter les médicaments. D'accord? Malheureusement, ces médicaments doivent être pris à vie. Avis. Ce que beaucoup de gens n'acceptent pas. Voilà, les difficultés que Donc, ça nous veut dire qu'on avons. ne guérit pas de l'hypertension. Oui, l'hypertension artérielle se soigne très bien, malheureusement, elle ne guérit pas. Pour la forme chronique, pour la forme essentielle. D'accord? Il y a des situations où l'hypertension artérielle peut guérir. Il faut que la population le sache. Vous prenez la situation d'une femme enceinte, une femme qui n'était pas hypertendue et qui commence à développer au cours du deuxième, troisième trimestre de grossesse, commence à développer de l'hypertension. C'est une hypertension artérielle gravidique. C'est une hypertension artérielle qui est liée à la grossesse. Et en général, on va traiter cette tension quand la femme accouche, on l'accompagne un peu au bout de 3 mois à 6 mois. D'accord. On se rend compte que la tension a disparu, alors on enlève le médicament, on ne continue plus. D'accord. Vous Mais prenez. quand vous dites que le traitement est à vie, on va devoir conclure avec. Ça veut dire que on ne guérit pas, ça c'est un. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on en meurt si ça se gère à vie? Pourquoi est-ce qu'on en meurt? On meurt des complications, en fait. On ne meurt pas de l'hypertension tant que telle, mais on meurt des complications de l'hypertension. Le traitement est à vie parce que la maladie ne guérit pas. Lorsqu'on boit un médicament de tension, chaque jour, le médicament agit au jour le jour. Les comprimés que vous avez bu ce matin à 8 heures ont leur effet 24 heures. Jusqu'au lendemain, 8 heures, le médicament est digéré, le médicament disparaît du corps exactement comme on a mangé le pain. Le pain D'accord. qu'on a mangé, c'est pour aujourd'hui. Demain, il faudra en remanger encore. Il faudra manger encore un autre bout de pain pour être rassasié. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre le médicament. D'accord. Le médicament ne s'accumule pas dans le corps. D'accord. D'accord? Donc, il faut reprendre le médicament et chaque jour. Alors, quand on ne soigne pas la pression artérielle et que la pression artérielle
continue de rester élevé. Le cœur qui peut grossir jusqu'à défaillir, c'est-à-dire devenir défaillant, faire l'insuffisance cardiaque ou faire une crise cardiaque parce que, à cause de l'hypertension artérielle, des troubles du rythme se sont installés, c'est-à-dire les battements du cœur se mélangent. Donc, on fait une crise cardiaque. Vous comprenez qu'on va mourir de la crise cardiaque. Mais c'est l'hypertension artérielle qui a provoqué cette crise cardiaque. Si on n'a pas soigné l'hypertension artérielle et que ça finit par... une artère finit par péter dans le cerveau, c'est-à-dire on fait une hémorragie cérébrale, un AVC, on va mourir de l'AVC, vous comprenez? Ou l'insuffisance rénale parce qu'on n'a pas bien soigné. Donc, en soignant cette hypertension artérielle, on peut faire ses 90 ans, on peut faire ses 100 ans, pourvu qu'on soigne bien l'hypertension et pourvu qu'on se laisse suivre par son médecin. Parce que une chose est de boire le médicament, c'est vrai, tous les jours, mais il ne faut pas boire seul le médicament. Il ne faut pas aller à la pharmacie tout seul pour acheter les médicaments. Automédication, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. D'accord. Parce que c'est une maladie qui bouge, qui est dynamique, qui change. Le médicament qui vous allait au bout d'un mois, deux mois, six mois, peut ne plus vous aller. Donc, c'est au médecin de remplacer votre médicament. D'accord. En vous voyant, en vous examinant, le médecin va dire, attention, il faut qu'on change votre médicament. Après le bilan, je me rends compte que c'est vrai, le médicament contrôle la tension, mais à cause de ses effets secondaires, je change. Très bien. Dernière question, il faut s'inquiéter, il faut chercher à aller vers le médecin à partir de quel âge? Alors, même quand bien même on se croirait en bonne santé. Déjà chez l'homme, on va dire à partir de 50 ans, même 45 ans. 45 ans chez l'homme? Oui. Et la femme? Et chez la femme, à partir de 40 ans. 40 ans. Mais de toute façon, il est bon de toujours faire un bilan, quel que soit l'âge. Très bien. En tant que membre du CINAMEP, si vous souhaitez donner un téléphone, docteur? Oui, je vais encore vous donner mon 02-02-30-88. Vous avez dû avoir beaucoup d'appels aussi. Oui, j'ai eu beaucoup d'appels la dernière fois. La dernière fois. Oui. Ce sont des sujets qui concernent tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que nous sommes contents d'apporter l'information. Nous voulons que la population ait l'information vraie et ne pas se laisser surprendre par l'hypertension. D'accord. On perd hypertendu par les complications de l'hypertension. On perd hypertendu et vivre ses 90 ans, ses 100 ans, comme je dis. J'entends votre téléphone qui bourdonne déjà. En se surveillant correctement, voilà. Très bien, merci docteur Véronique Loué. Je le rappelle, vous êtes cardiologue et puis membre du CINAMEPSI. Si. Très bien. Merci. Merci à vous, docteur. Je vous en prie. Nous avons un élément sur les petits métiers juteux et nous allons recevoir notre communicateur, membre des Toastmasters, M. Patrice Bléoué. Et avec lui, nous allons aborder les quatre canaux efficaces à exploiter pour réussir sa communication. À tout de suite. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Ma question c'est laver, repasser, midonnage, tout cela, j'ai fait ça ici. Une blanchisserie ou buanderie est un local, une boutique où le linge, après avoir été lavé, est repassé. Il existe trois sortes de blanchisseries. La blanchisserie traditionnelle, que l'on retrouve dans les quartiers en général. La blanchisserie moderne, généralement appelée pressing. La blanchisserie industrielle, opérant sur les articles des entreprises. La blanchisserie traditionnelle, la plus vulgarisée, est un secteur d'activité où exercent de nombreuses personnes. C'est souvent une baraque en bois qui sert de blanchisserie. 6h30, moi ici là. Je commence d'abord à repasser les habits des clients qui vont au travail. Si j'ai fini avec eux, je mets les habits blancs dans l'eau à part, les habits noirs dans l'eau à part. Bon, j'ai fini de laver. Chez qui je dois me donner, je fais ça. Maintenant, si je finis ça, il y a des clients qui viennent déposer des habits. Bon, deux ou trois jours, je viens prendre. Je commence à repasser ça. Mais dans les sachets, faire des biens, quoi. Voilà. Souvent, du masque comme ça, moi, je laisse 23 heures. Hein. Même s'il y a travail, moi, je vais laisser jusqu'à à minuit. C'est travail. C'est ça. Tout ce que tu fais là, il faut prendre au sérieux. Tu vas gagner là-dedans. Hein, ta vie là, tu vas gagner dedans. Voilà. Beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire ça. Peut-être. Bon, ça dépend de eux, hein. Parce qu'on n'a pas de même indication. Ils ont honte. Peut-être qu'ils vont dire que non, si j'attends de laver habit, ma copine va passer ici, il va me voir qu'ils attendent de laver habit. Bon, c'est la honte. Oh, ce n'est pas ce cas-là. Travailler, c'est travailler.
Voilà, travail, c'est travail. Il faut griller. C'est dans ça que moi-même, je me suis marié. Quand j'étais là, moi, je n'ai pas marié. Je n'ai pas femme. Je n'ai pas d'enfant. C'est dans ça que je me suis marié. C'est dans ça que j'ai pris maison. J'ai payé l'eau à la maison, courant à la maison, maison même. Voilà. Je m'occupe de ma femme, avec mes enfants. J'ai deux enfants. Il y a un qui va aller à CP1 cette année. Il a fait jardin, il passe à CP1. Il n'y a pas de problème. C'est dans ça que je fais tout. J'en vais là-dedans aussi, mes parents. Voilà. Le blanchisseur peut améliorer son cadre de travail avec l'acquisition d'une machine à laver. Le travail devient beaucoup plus aisé et cela rapporte un peu plus qu'au lavage à la main. Je me débrouille dans la blanchisserie un peu, mais comme il y a machine aussi, donc je fais comme ça, mini piercing. Quand je suis venu, j'ai commencé un peu, les gens viennent. Commencé, souvent même, tu peux s'asseoir, tu peux même pas gagner au moins 10 habits même pour laver. Mais après, comme, bon, comme les gens me connaissent dans les quartiers beaucoup, il y en a même qui quittent au loin, engrais, maou, pharmacie asie pour venir repasser ici. Il y a des autres même là, même s'ils sont dans les quartiers, qu'ils sont déménagés, ils retournent encore pour venir avec leurs habits dans les, ces mois ici. Comment ici qu'ils sont au Burkina pour venir? Je suis venu trouver que mes frères sont en train de faire. Donc nous aussi, on a pris ça un peu, un peu. Et nous, j'ai commencé à Ekougon même. Après Ekougon, ici, parti à Bobo. En troisième, quand c'est au Doku, ici, qui est bon. Que moi-même, je fais pour moi maintenant. Voilà, il lave les vestes. Vestes-là, s'il fait son complet, il fait ça à 1500. Bon, ça, c'est la machine. Mais si c'est la main, les habits qu'il lave à la main, souvent, bon, il fait un... laver et passer 100 francs. Et si cette machine-là, comme il fait ça à 250, souvent tu peux trouver 5 000, 4 000, 6 000, ça dépend. Mais il y a des jours aussi, la tête, soit matin jusqu'à le soir, tu peux même pas gagner 1 000 francs même pour partir à la maison. Donc, blanchisserie, là, il y a des jours, ça marche, mais faut, toujours, il faut pas s'endetter. Si tu veux commencer petit, faut pas voir les autres. Tu sais, si tu as trouvé un coin, quelque part, tu peux négocier avec la personne, tu lui le coin. Bon, ça, tu peux payer ton baraque, et ton, tes seaux, les trucs là pour venir commencer. Mais si tu n'as pas les places et coin comme ça, c'est toi-même qui as construit le coin là, ça, en tout cas, ça va coûter beaucoup, un peu beaucoup. Il faut regarder celui qui fait ça. Bon, tu veux dire, bon, je vais venir t'aider, tu vas laver tes habits. Si tu viens d'abord, il ne faut pas dire que non, je vais venir repasser parce que tu ne connais pas. Donc il faut venir commencer d'abord avec lui. C'est comme tu as venu aider pour laver des habits. Dans ça, quand tu laves des habits, bon lui il connaît des ans. Matin, lui peut repasser. Toi, tu laves des habits. Maintenant, tu dis, ah, bon, je vais faire ça, mais comme je ne connais pas, je vais venir apprendre à côté de toi. Là, maintenant, il va te montrer comment tu repasses, comment on repasse, comment quand quelqu'un va à but, comment tu arrives à connaître la différence des habits des clients. Si tu connais ça fini, maintenant, tu cherches un endroit où c'est que ce soit une cité ou un quartier, que tu sais que l'un endroit, bon, il n'y a pas trop de blanchisseries là-bas. Bon, tu peux payer bois. Tu t'en vas apprendre bois là, c'est monté, tu fais tout. Si tu as l'argent, tu prends ton compteur. Si tu n'as pas l'argent, bon, au début de choses, ce n'est pas facile. Tu peux avoir quelqu'un à côté, il va te donner courant. Et puis tu te débrouilles avec ça. Tu peux faire, tu peux taper. Voilà, les petits métiers. Nous sommes dans la rubrique Langage usuel. Monsieur Patrice Bléoué est notre invité, il est communicateur. Et nous parlons des quatre canaux efficaces à exploiter pour réussir sa communication. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Comment vous allez? Je vais très bien, je vous remercie. Je suis très heureux de vous revoir. Ah, mais c'est partagé comme plaisir. Merci beaucoup. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, nous parlons de quatre canaux pour communiquer efficacement avec son auditoire. Mm-hmm. Il faut d'abord définir ce que c'est que la communication. La communication, c'est le fait de communiquer, donc établir une relation entre un émetteur et un récepteur, c'est-à-dire une personne qui émet un message et une autre personne qui reçoit ce message et qui réagit en fonction du message qui a été émis. Et dans le cadre de la prise de parole en public, celui qui émet le message, c'est l'orateur, parce qu'il exerce, il pratique une communication orale, donc l'orateur. Et l'orateur, c'est qui? L'orateur, c'est le chef d'entreprise, c'est l'animateur. L'orateur, c'est le chef de famille qui parle
à ses enfants, à son épouse, c'est le professeur, c'est le chef de classe qui parle à ses amis de classe. Donc chaque fois que vous êtes devant un auditoire, il y a une manière de vous comporter afin de réussir votre prise de parole, votre discours. Très bien. Donc aujourd'hui, nous parlerons de 4 canaux pour réussir à communiquer efficacement. Le premier canal, c'est celui qui s'établit par ce que vous dites. Donc la voix, les mots. Vous devez savoir que lorsque vous communiquez, vous pouvez parler, vous parlez donc, et vous devez également amener votre public à parler. Donc parlez et faites-les parler. Comment ? Lorsque vous êtes devant un auditoire, que vous adressez un message, vous devez faire le choix de mots, donc des mots justes, afin de réussir à atteindre ses objectifs, parce que chaque discours a un objectif. Donc trouvez les mots justes, trouvez les mots en fonction du niveau de technicité de votre auditoire, en fonction de son niveau de langue, et également en fonction du contexte. Parce que si nous sommes dans un contexte de crise, il faut peser les mots, choisir les mots juste pour ne pas frustrer, mais plutôt pour remettre le public en confiance. Vous devez également les amener à parler. Comment ? Il y a un animateur télé qui le fait bien lors des émissions telles que Tempo, Didier Bleu, qui dit « Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche ? Est-ce qu'il y a du monde à ma droite ?» Et on sent et on voit le public réagir, le public qui parle aussi. Et cette interaction facilite la communication entre l'animateur ou entre l'orateur et le public. Donc, premier canal, parlez et faites-les parler. Donc, par ce que vous dites. Deuxièmement, par ce que vous voyez. Donc, le contact visuel. Lorsque vous êtes devant un auditoire, assurez-vous de regarder tout le monde. Si votre auditoire est constitué de 3 personnes, assurez-vous de regarder les 3. Imaginez que vous soyez en train de parler avec quelqu'un et que cette personne regarde ailleurs, ou alors que vous regardez ailleurs. La personne avec qui vous parlez va voir un manque de confiance ou un manque de sérénité, ou alors de confiance, de vérité. Donc, assurez-vous de parler en regardant ceux avec qui vous communiquez. Si vous êtes dans une grande salle avec un plus grand monde, regardez à gauche, regardez ceux qui sont à droite, regardez également ceux qui sont en haut. Établissez ce contact visuel et emmenez-les également à vous voir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsque vous êtes devant un auditoire, soyez dans un endroit ou dans une posture qui favorise le fait qu'on vous voit. Parce que lorsque vous parlez, vous avez des gestes, vous avez parfois des démonstrations visuelles que vous faites. Si on ne vous voit pas, on risque de ne pas pouvoir comprendre ce que vous dites. Donc, le fait d'être vu facilite la communication. Donc, le fait d'être vu, c'est occuper l'espace scénique ? Tout à fait, occuper l'espace scénique. Il faut également bouger, ne pas rester statique comme une marionnette ou comme un piquet. Vous devez occuper l'espace, vous devez vous faire voir tout le monde. Vous devez être actif sur scène ou devant l'auditoire pour qu'on sente votre discours. Mais des fois, il y a un pupitre et c'est encadré. Il faut rester sur le pupitre avec le discours. Il y a 2 micros parce qu'il y a la technique aussi qui intervient. Effectivement, il y a plusieurs types de discours d'occupation scénique. Mais lorsque vous êtes contraint de rester derrière un pupitre, assurez-vous que tout le monde vous voit. Donc vous devez vous assurer qu'on vous voit. Et si c'est une salle qui ne permet pas de prendre tout le monde, assurez-vous que dehors, il y a des écrans qui permettent de diffuser l'image. Mais on doit vous voir. Parce que cela facilite la compréhension et cela facilite également la pertinence de votre discours. D'accord. Donc regardez, voyez, observez également, parce qu'en fonction de la réaction de votre public, vous pouvez ajuster votre message. Donc voyez et faites-vous voir. D'accord. Troisième canal, vous devez entendre. Donc écoutez et faites-vous entendre. Écoutez et faites-vous entendre. Faites-vous entendre parce que vous devez parler suffisamment fort pour qu'on vous entende. Si on ne vous entend pas, on ne peut pas vous comprendre. Donc, parlez suffisamment fort. Également, comprenez ce que le public dit. Parce que lorsque vous demandez à un public de réagir, le public réagit. Si le public réagit nonchalamment, vous direz, attention, peut-être que le public ne vous suit pas. Donc, c'est un indicateur pour savoir si l'on vous suit ou alors si l'on ne vous suit pas. Si vous demandez aux gens, est-ce qu'il y a du monde à ma gauche, que personne ne répond,
posez-vous des questions. Tout à fait. Et c'est ce que justement les prêtres ou les pasteurs font quand on dit Alléluia, on répond Amen. Mm-hmm. Vous voyez, c'est une manière de voir. De rappeler le public tout à soi. Fait, tout à fait. De communiquer. Je veux vous entendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vous écoutez, vous entendez également, vous faites entendre. Mm-hmm. Donc on a dit la bouche, les yeux, ce que vous entendez, et puis ensuite il y a le toucher. Mm-hmm. Comment le toucher? Regardez très souvent les hommes politiques lorsqu'ils vont en campagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un bain de foule. Mm-hmm. Donc ils vont toucher le public ou toucher la foule pour qu'il y ait un contact. Et ce contact-là crée un canal entre vous et votre auditoire ou alors votre public. Également, les artistes le font lorsqu'ils sont sur scène. Ils ne veulent pas rester plus longtemps sur scène. Ils descendent souvent. Ils descendent souvent, en contact avec le public. Il faut être en contact avec le public. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le public se réjouir. La foule est en liesse. Tout à fait, en liesse parce qu'on brise cette distance et on crée ce canal pour favoriser la communication entre le public et nous qui sommes l'orateur. Donc, il faut parler. Il faut emmener votre public à parler, poser des questions lors des séminaires, ne pas laisser le public sans parler, à moins que ce soit un discours qui exige que ce soit dans un seul sens, par exemple un communiqué. Donc première chose, parlez et faites parler votre auditoire. Deuxièmement, vous devez voir votre auditoire, donc regarder, observer également, vous faire voir ou être vu. Troisièmement, vous devez écouter votre public, l'entendre également, vous faire entendre. Et troisièmement, vous devez toucher, être en contact. Cette relation de contact va favoriser la communication, la transmission de messages. Donc voici quatre canaux que vous devez exploiter pour être sûr de mieux communiquer avec votre auditoire. Et d'ailleurs, Dieu nous a créés avec les organes de sens. Mm-hmm. Et c'est justement ces organes qui nous permettent d'être en contact avec le monde extérieur. Et donc, lorsque nous exploitons ces canaux, nous communiquant et comment on aurait pu éventuellement exploiter l'odorat? Ah oui, justement, c'est une belle question. Dans le cadre de la prise de parole en public, il est difficile d'intégrer l'odorat. Par c'est contre, sûr. Lorsqu'on fait de la communication sensorielle, c'est-à-dire, on peut, par exemple, dans le cadre des démonstrations, utiliser un parfum, on pulvérise, et puis cette odeur nous fait dire « Ah, c'est une odeur… » Quoique, il y a des parfums qui ont un pouvoir magnétique, hein. Ah oui, oui, qui pourrait atteindre les premières personnes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que parfois, c'est pourquoi je dis que lorsque vous communiquez, il y a un objectif. Mm-hmm. Si vous voulez manipuler des gens, vous pouvez manipuler par des mots. Mm-hmm. Vous avez des discours qui ont manipulé des populations, je ne dirai pas le nom de certains orateurs, mais il y a des discours qui ont motivé la population. Mm-hmm. Vous pouvez toucher également pour manipuler, vous pouvez toucher également pour motiver, vous pouvez faire voix pour manipuler, faire voix pour motiver, pour convaincre. Vous pouvez également utiliser un parfum pour motiver, aussi un parfum pour manipuler. Quand vous allez dans un supermarché, dans une boutique de parfums, il y a des senteurs. Tout à fait. Il y a des senteurs. Donc si on vous dit, voici un parfum XY. Un parfum hypnotisant. Tout à fait. Voilà. Donc il y a des parfums qui peuvent participer à la communication. C'est donc la communication sensorielle. Mais dans le cadre de la prise de parole en public, d'accord, puisqu'il y a une certaine distance entre l'orateur et le public, on dira certainement qu'une autre fois, on viendra pour développer cet aspect. Avec beaucoup de plaisir quand même. Très bien, on vous attend avec impatience. Votre mot de fin et un téléphone si vous le souhaitez. Le mot de fin, chers orateurs, nous communiquons tous. Comme quelqu'un le disait, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc nous sommes emmenés à utiliser tous ces canaux pour maximiser notre communication et atteindre nos objectifs. N'oubliez pas, quand vous communiquez avec un auditoire, parlez, faites parler votre public, écoutez votre auditoire, faites-vous entendre, regardez, faites-vous voir, touchez, soyez en contact avec l'auditoire. Voici ces quatre canaux. N'oubliez pas de vous exercer. Le contact, c'est le 08 08 90 77. 08 08 90 77. Récemment, on a reçu des appels des personnes qui ont exploité ce qu'on a dit, notamment un pasteur qui avait un projet de construction d'église. Il ne savait pas comment motiver ses fidèles à participer à la construction de l'édifice, mais il a réussi. Donc nous pouvons vous aider gratuitement, vous participer aux formations. Les formations sont offertes, sont gratuites, pour vous permettre de communiquer. Voilà. Monsieur Patrice Bléoué, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. À bientôt.
Nous avons un spot à vous proposer en ce qui concerne le Noël des Mille Merveilles. Et nous avons également un spot en ce qui concerne Bonjour 2015. Et juste après, on se retrouve.